parti sur contrôle. On va continuer un petit peu le jeu. Hop, on va continuer la partie qu'on avait déjà faite. Quand? Où j'étais contre un boss et j'arrive pas à le battre. Voilà. Alors j'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. Ok. Il est assez chiant à battre quand même. Faut vraiment y aller pour essayer de l'avoir avec des trucs qu'on lui lance dans la figure. Parce que il esquive assez facilement. Alors que nous, quand il nous balance un truc dessus, on n'esquive pas aussi facilement. Ouais. La preuve, là, il nous a touché. Où il est là. Il y avait de la vie à récupérer au milieu aussi. Voilà, je l'ai eu. Il est parti, il est rentré chez lui. J'aurais bien. J'aurais bien eu du mal à l'avoir quand même. J'aurais bien galéré. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Ouais, on va rester concentré. Là, ici, voilà. Enregistre-moi ça. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à La Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne, mais la plupart récupéreront toute leur audition. Bien sûr, cet événement a aussi endommagé leur mur cellulaire, mais on ne peut pas imputer ça à une stupide arme sonique. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine? Un sacré coup de chance, hein? C'est bien plus facile de... Hey, t'es encore en train d'enregistrer, là? Ok. D'accord. Donc on n'aura pas la fin de... On n'aura pas le fin mot de cette histoire, enfin de cet enregistrement du coup. Alberto.
Roberto Tomasi, chef de com. Lewis l'a eu. Ouais. Enregistre-moi ça. La situation à Cuba. Ok, mais ça, ça raconte la même chose. Amélioration de santé. Ah, ça, par contre, ça m'intéresse. Quoi que j'avais mis amélioration de cadence de tir. On va rester comme ça. Amélioration de la santé, ça, ça m'intéresse parce que la santé, elle part tellement vite. L'outline devrait plus être loin. Ouais, normalement, on devrait plus être très très loin. Ok, mémoire de la maison, là, il n'y a rien, là. Ah, le chambre de l'Outline, oh, on arrive, on y arrive. Rappelez-vous, dans la cinématique, il y avait la salle avec le téléphone. Ouais, là, on peut pas y aller. Ok, voilà. Je sais pas si c'est par là. Parce que... Ah si si, c'est par là. Hein. C'est par là, c'est par là. On va avoir la réponse. C'est passé quoi? J'ai connu pas mal d'hôtels routiers dans presque tout le pays. Sur la route, sur le départ, et sous le radar. Ce lieu leur ressemble tous. Et là, ça marche et plus. Ils sortaient tout droit d'un rêve. Ah, j'ai pas pu accéder au téléphone. J'espère que plus tard, oui. J'ai pas pu accéder au téléphone. En fait, il y avait le mode jour et nuit, je pense. Et on voyait une silhouette d'un mec. Hey oh, y a quelqu'un? L'air d'avoir personne là. Waouh. Et du coup, je voulais vous dire un truc, je ne sais même plus quoi. Ça m'a tellement perturbé qu'on arrive comme ça là. Ok. Que là, on a rien à faire là. Traverser l'hôtel. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais. J'ai les clés de quoi je ne sais pas, mais j'ai les clés. Ah. Ok, je viens de comprendre un truc. Alors la sonnette, ça ouvre les portes. Et là, la porte, elle s'est fermée. Ok. Alors, ça me change pas grand chose. Et ça fait pareil de l'autre côté, du coup. Non, de l'autre côté, il y a tout qui reste fermé. On est bien d'accord.
Et là, il y a le truc, on peut pas le tirer. Non, on peut pas le tirer. Là, il y a une porte. Waouh. Ah. Comment ? Ça m'a fait un peu stresser, j'avoue. Il y a un tableau qui waouh, c'est flippant hein. C'est très flippant. Et là on arrive au fameux moment que je vous disais. Ce bordel. Ah, je vous avoue, ça m'a mis un peu les frissons, je vais pas mentir. Yo, Niwin, ça va et toi? Remporter le défi du plan astral. Ok, ouais, à chaque fois qu'on est là-dedans, je sais qu'il y a un truc à faire. Alors quoi? Non mais c'est complexe. C'est un peu complexe. J'aime bien le jeu. Mais je trouve des fois il y a des trucs... c'est trop bizarre. Hein. Je comprends pas tout. Hein. Pour faire le forceur, tu as le temps de jeter un oeil sur les jeux qui te plairaient. Franchement non, j'ai pas regardé. Waouh. D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas comment j'ai fait. Il y a le téléphone. Il y a le téléphone. Le téléphone sonne. Et... En fait, je voulais te dire un serveur. Pas inutile. Avec une toute petite commune. C'est juste un téléphone. Et un objet de pouvoir. Il ne se connecte à aucun réseau classique. Il s'agit d'une ligne directe vers le plan astral et le comité. Et selon mon hypothèse. Sous certaines conditions, vers les autres plans d'existence aussi. Un directeur a besoin d'une équipe. Mon équipe de direction. Ces gens connaissent les secrets du bureau aussi bien que moi. Certains encore mieux. Ils ont tous fait leurs preuves. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall surtout. Ma chef des opérations, elle me connaît par cœur. Elle sait que je n'aime pas beaucoup déléguer. La seule personne qu'on devrait décevoir, c'est soi-même. Mais les choses changent quand on devient directeur. Mission mise à jour, parler à Emily. J'ai trouvé l'outline. Je peux joindre Trench. Enfin, je peux l'écouter. On dirait plutôt un écho. Un écho avec des infos importantes. Je dois retourner voir Emily. Ok. Alors, franchement, j'ai pas tout compris. Les gens ont tendance à... mal réagir quand je leur parle de toi. À qui tu parles ? Tu te parles toute seule. Est-ce que c'est trop tôt pour te dire à Emily ? Elle peut peut-être m'aider, mais... Parle à toi-même. Waouh, non mais c'est chaud. J'ai pas tout compris ce qui venait de se passer là. J'ai pas compris l'histoire même du jeu en fait, je vais pas vous mentir. Mais le jeu est cool. Par contre, les frissons que j'ai eu, sacré moment. Parce que j'ai eu des sacrés frissons. Hein.
Attends. Répondre à ce que tu. Newin, ouais, je suis d'accord avec toi, ça sert même pour une petite commu, mais le truc c'est que j'ai vraiment personne en fait, tu vois. J'aurais 2-3 personnes à la limite, pourquoi pas, mais. Waouh, je me suis perdu. Et là, c'est que j'ai vraiment personne en fait. Je sais pas si c'est par là que je dois aller. Ah ouais, je suis revenu au bureau du directeur. Oh, le raccourci de malade. Nice. Et je vais repasser par là. Et je te ferai une ébauche d'un serveur pour tout. Gratuit, ça engage à rien. Vas-y, hein, si t'es chaud. Vas-y, hein, écoute. Je ne refuse pas l'aide que tu m'apportes. Tu as l'air bien psycho, lol. Ouais, ouais, c'est un jeu un petit peu psycho, mais c'est Remedy qui fait ça. C'est aussi les créateurs de Quantum Break. Donc ouais, un peu psycho, quoi. Et ça va venir. Ouais, je sais. Bah avant, comme je te disais, avant j'avais une petite commu, quoi. Mais c'est le fait d'avoir arrêté pendant 2 ans qui m'a fait perdre de communauté. Je tiendrai au courant, ça marche. Jesse, vous avez la hotline? Comment c'est là-bas, les coms, le IS? Pardon, vous avez réussi. Bien joué. Emily, j'ai trouvé la hotline. Je peux comprendre ce que dit Trench maintenant. Incroyable. Et qu'a-t-il dit? Il a parlé de son équipe de direction. Des gens au courant des secrets du bureau. Votre chef, Darling. Thomasy, mais... Qui l'a eu? Salvador? C'est le chef de la sécurité. Et Marshall? Hélène Marshall est le chef des opérations. Une ancienne de la CIA. Elle a amené son équipe jusqu'au secteur de recherche pour sécuriser la production d'ARP. Elle n'est pas revenue. Elle pourrait nous aider. Les autres secteurs? Comment je peux m'y rendre? C'est impossible à cause du verrouillage interne. En tant que directrice, vous devriez pouvoir l'outrepasser, mais vous ne pouvez le faire que depuis le secteur de maintenance. En temps normal, vous prendriez l'ascenseur de secteur pour descendre. Il connecte tous les secteurs. Mais il ne fonctionne pas à cause du verrouillage. On a déjà pu lever un verrouillage. Je peux peut-être trouver un moyen. Jesse, sans préparation ni entraînement et en situation extrême, vous vous en sortez incroyablement bien. De plus, le IS ne semble pas vous affecter. J'adorerais vous analyser. Si vous acceptez, bien sûr. On pourrait découvrir quelque chose d'utile. M'analyser? Oh, je sais pas. Elle pourrait découvrir ta présence. Mais ça pourrait m'aider à me comprendre moi-même. Ok. Si vous pensez que ça aide... Bien. Je vais consulter la documentation interne sur le contournement de verrouillage. Nous devons ouvrir ces secteurs pour localiser Darling et Marshall. Et je vais chercher un accès pour le secteur de maintenance. Il va falloir faire vite que je puisse faire sauter le verrouillage. Wow, comment c'est louche. Accompli, appel anonyme.
Intervention du directeur. Alors, améliorer et débloquer de nouvelles capacités au point de contrôle le plus proche. Yes. Intervention du directeur, frayez-vous un chemin jusqu'au secteur de maintenance. Waouh. Vous entendez ça? Quelqu'un chante? D'où est-ce que ça vient? Ouais, non, mais il se passe trop de trucs bizarres. Hein. On dirait que ça vient de l'ascenseur. De ouf. Pope veut qu'on installe un labo de terrain aussi vite que possible. Avec quoi? On ne peut pas accéder aux équipements du secteur de recherche jusqu'à la levée du verrouillage interne. Alors regarde ce que tu peux trouver dans le coin. Ordinateur, documents, tous les outils de mesure que tu peux trouver. Et des Pope, c'est un moyen sûr de se faire bien voir de Darlene. Et ouais, on dirait qu'il y a quelqu'un qui chante là. Pope nous a demandé de nous demander. On entend les voix. Faut travailler. Rejoins-moi dans la maintenance. Ouais, il nous appelle carrément. Comme je l'avais dit, le concierge est quelqu'un de sympa. Waouh, comment c'est chaud! Et le concierge, il a l'air vachement louche, hein. Le secteur de maintenance, c'est le domaine du concierge. Si j'arrive à trouver Atti, il pourrait m'aider à lever le verrouillage. Grave. C'était peut-être toi qui m'as fait entrer dans l'ancienne maison malgré le verrouillage. Ou c'était peut-être Atti? J'ai l'impression que c'est grâce à lui que cet ascenseur m'a emmené jusqu'au bureau de Trench. Atti me guide-t-il aussi? Ah ouais, ça pique la reprise sur State of Decay. Hein. Bah, tu le concierge, ok. Parce que ouais, c'était pas comme ça moi quand j'y jouais. Hein. C'est beaucoup plus simple. Hein. Là, ce que tu me décris, ça a l'air de compliquer les choses un peu. On va passer par là. Ah, j'ai pas l'accès. Même si je pète la... Ouah, même pas je peux... Oh là là, c'est de l'arnaque. En même temps, ils ont dû prévoir le coup. Hein. Ok. Nouvelle carte. Ça complique fort. Ouais, ouais, j'imagine. Mais on y jouera. Ah ouais, je vais me faire soulever, je pense. Quand je vois les gardes là. Et... Là. Ok. Ça c'est fait. J'ai pas perdu trop de vie. Waouh! Au moment où je dis ça, il apparaît lui. Point de contrôle.
Yes, on a purifié le point de contrôle, ça c'est cool. Alors, construction astrale, capacité. Ah, on a débloqué des nouveaux paramètres là, capacité. Alors, 10% de santé, plus 10% d'énergie, plus 10% de dégâts au corps à corps, 25% de dégâts de lancer. Bah écoute, j'ai 4 points de compétence, on va prendre les 4. Hein. Ah ouais, et après on peut augmenter la santé, on peut augmenter l'énergie. Pense de palier. Alors là, j'ai pas tout suivi là. Récompense de palier, emplacement. Ah ouais. Emplacement de forme d'armes supplémentaires. Je vais voir ça. Voilà, ok. Donc là, j'ai plus de points de compétence. Dommage que c'est aussi, tu as pas accroché. Le pirate des Caraïbes, Island. Ouais, mais non, j'ai pas kiffé Sea of Thieves. J'ai joué avec des potes et j'ai pas accroché. Ok, construction astrale. Alors. Ah, je peux construire des pistolets. Matériaux nécessaires. D'accord, ok, j'ai enfin compris à quoi servent les trucs que je récupère à chaque fois. Mémoire de la maison et tout, je me dis, mais c'est quoi ça? Je le récupère, ça sert à quoi? Et ben maintenant je sais. Et donc la source, débloquer le deuxième emplacement, d'augmenter les dégâts de base de l'arme. D'accord. La brisure jouit d'un fort pouvoir d'arrêt et d'une dispersion qui ravage les groupes d'ennemis à courte portée. Ouais, non, je vais augmenter ça. Mais alors il va me falloir des trucs, hein. Il va m'en falloir des matériaux. Et là, mode d'arme, obscur commun, construisez un mode d'arme aléatoire commun, ouais, c'est pas trop, construisez un mode personnel aléatoire commun, ouais mais c'est un mode aléatoire. Un mode aléatoire. Ouais, je veux pas de mode aléatoire, moi. Ok, bon, j'ai compris à quoi ça servait. Ouais, mais plus on avance dans le jeu, plus on découvre des trucs. Après, c'est bien que plus on avance, plus ils nous mettent les choses au fur et à mesure. Plutôt que bah, tout nous mettre d'un coup et puis démerde-toi, quoi. Là, au moins, on a les choses au fur et à mesure. Alors, je m'en doutais. Ok. Là, si je dois descendre, si je dois rester en haut. Ok. Et ça court, hein, on dirait. Je vais descendre. J'ai l'impression qu'il y a encore du monde. J'ai débloqué quoi? Amélioration de la cadence de tir.
2 cadences de tir plus 13%. Régénération. Ah, non, pas trop. C'est pas mon délire. Bon, on va passer par là. Je sais pas. Voilà. Ah, il était là, hein. Matériaux, pulsion, ok. Moi, j'ai récupéré des trucs. Vestiges de lisière. Ok, mais j'ai compris maintenant. Tous les matériaux, à quoi ça sert et tout. Maintenant, je sais. Ah ouais, là, je redescends par là. Non, faut remonter. Et... Et justement, je me pose la question. On va trouver le concierge. On va trouver le concierge. Je fais toujours un sacré manège. C'est que j'ai déjà été concierge. Je suis plus à l'aise dans ce rôle que dans celui de directrice. Salati semble s'en rendre compte. Salut, Ati. Dis, on cherche à lever le verrouillage. Sans ça, j'accéderai pas aux autres secteurs. Tu peux m'aider à trouver la commande ? Oui, oui. Très facile. C'est juste par là-bas. Mais d'abord, tu dois faire du travail. Juste à peine quelques heures. Quelque chose le décalage. Que ça prendra bien plus que ça. Ah, yahaha, tu sens une chose pas nette, hein. Je te dis, toi pas être né de dernière pluie. Voilà pourquoi tu feras une bonne assistante. Très bien, je vais expliquer ce qui arrive. Ma culla, ça non perché le suo ranetta. Cet endroit a un problème vermine très grave. Et ils ont déjà cassé les pompes refroidissement et générateur de la centrale, quasiment. Et le pensionnaire dedans, il dit que le bandeau autour de sa tête se resserre. La situation doit être réglée avant que la centrale explose et qu'on disparaisse comme un pétant Sahara, Berkeley. Pas de panique, tout va bien se passer. Réparer les pompes de refroidissement et les générateurs, sans quoi la centrale risque d'exploser. Mais pas t'en faire, j'ai laissé instruction simple. Tu prendras fin du fil avant que partant en vacances. Travaille sur tableau, ici. Tu peux faire plus tard quand tu attends. Des vacances? Bien sûr. Oui, personne ne va annuler mes vacances ou ça risque de chauffer. Mais pas s'inquiéter, tu vas réussir et cette crise sera comme neige de l'année d'avant.
Ah, tu ferais mieux te dépêcher, si tu veux pas ta tête et troisième jambe. Porte de derrière mène vers centrale. La porte de derrière. Super. Merci, Ati. Et si un jour trouver le moyen de réparer la centrale. Ok, yes, on a un niveau d'accréditation, ça c'est cool. Oui. Brûler ordures. Jeter feu. Tout brûler. Brûlez-le en reine. D'accord. En élan. Ok, donc là, si j'ai bien tout compris, mission. Ouais, c'est ça. Bon, tac, on a plusieurs missions. Et on va pouvoir choisir en fonction de la mission qu'on veut faire. Donc ça a l'air d'être pas trop couloir, j'ai l'impression. Par contre, Hachi, il est vachement chelou. Hein. Là, on peut pas passer. Ok, redis-moi ce qui se passe si tout ça explose. Pouvoir. Tony Truant. T'es sûr que je peux y aller par là ? Responsabilité d'un directeur. Maintenir les lumières allumées. D'accord. Hotline, ok. Waouh. C'est ce genre de truc qui me fait stresser. Résister, ouais, je comprends. Après, Lies of P, tu vois, pour le coup, je l'ai essayé. J'ai pas... Enfin, le jeu est bien en soi, j'aime bien. Mais je pense trop difficile pour moi et du coup, j'ai pas accroché. Arish, ok. Centrale RSN, ok. Eh ben on va réparer tout ça. C'est immense, la salle elle est immense. Waouh. C'est dangereux par là, madame. Parlez au chef Arish, il est là-dedans. Il vous aidera. Oh. Non mais regardez comment c'est immense. Waouh, c'est immense. Je sais pas par où aller. Bon, faut que je trouve du coup le chef Arish qui va m'aider à réparer la centrale. Je sais pas où il est. Hé, hey, vous êtes nouvelle ? Allez parler au chef Arish au poste de sécurité. C'est lui qui commande. Au poste de sécurité. Security, ok. Là où il y a quoi ? Trop curieux en fait. Là il y a un truc là aussi. Hein. Prendre le point de contrôle. Ouais vas-y je vais le prendre. Ok c'est bon je l'ai pris comme ça ça m'octroie les déplacements rapides. Ok 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 bon. On va au poste de sécurité parce qu'on doit parler à Arish. C'est par là. Madame, hé hey, chef Arish, sécurité du BFC. Vous ne devriez pas être à l'abri. Ils ont tous des ARP. On est dans le même camp. Je m'appelle Jessie Faydon. Je suis venue pour activer la commande afin de lever le verrouillage. Ouais, ouais, chef Arish, sécurité du BFC, je suis... Attendez, vous êtes la nouvelle directrice ? Content de vous voir, madame. Pas de formalité, je vous en prie. Ok, Faydon, madame, bon. Comme vous l'avez vu, c'est un vrai merdier dans le coin. On tient nos positions, mais la chose qui a corrompu nos collègues fait qu'ils s'en prennent aux pompes de refroidissement. Et aux convertisseurs aussi.
L'arche surchauffe et en plus mes équipes se font tirer dessus avant de pouvoir faire la moindre réparation. Alors, Le RSN ? Pardon, le jargon du bureau. C'est comme ça qu'on appelle la centrale. Vous savez ce gros machin en métal ? Salvador, c'est le chef de la sécurité. Il m'a ordonné de la protéger en cas d'attaque. Ce qu'il y a dedans, c'est dangereux, hein ? Le docteur Darling se doutait que ce serait une cible. Darling ? Il est ici ? Non. Il est venu il y a quelques jours avant que la situation dégénère. Il était hors de lui et puait l'alcool. Il râlait comme pas possible sur nos points faibles et sur le fait qu'on n'avait qu'un seul ARP de taille, mais qu'il en avait besoin ailleurs. Mais au moins, il nous a donné ses ARP perso avant de partir. Oh, et je vous ai dit qu'il déchirait ses propres fringues ? Taré, ce type ! Darling savait pour Luis. Écoutez, je demande qu'à répondre à toutes vos questions. Mais il faut réparer les systèmes électriques et hydrauliques avant que ça nous pète à la gueule. Mes hommes vont ouvrir les portes pour que vous puissiez sortir d'ici. Je vais m'en occuper. Restez ici et tenez le HIS à distance, si possible. Le HIS ? C'est comme ça qu'on l'appelle ? C'est pas mal, hein ? Écoutez, les radios ne marchent pas. Donc, si vous trouvez mon chef là-bas, Salvador, ça vous dérange de lui demander s'il a un plan ? Je suis sûr qu'il aura pensé à quelque chose, mais... Je verrai si je peux le trouver. Il fait vraiment confiance à son supérieur. Essayez de survivre. Ok. Réparer les pompes de refroidissement du RSN, trouver les convertisseurs d'énergie. Pourquoi tout ça ? La conversion énergétique est bien en deçà du taux acceptable. L'impression okay. interne augmente si vite que je suis surpris que le RSN soit toujours debout. Quand ça pètera, on sera tous emportés. Merci. Lorsque les convertisseurs et les pompes de refroidissement remarcheront, la température redeviendra acceptable. Enfin, j'espère. D'accord. Vous faites quoi ici, Arish ? Chef de la sécurité du secteur de maintenance. Je m'assure que toutes les merdes qui se passent ici n'affectent pas les équipes de maintenance. J'ai appris tout ce que je sais de Salvador. Le meilleur agent de sécurité que ce bureau ait connu. Vous aimez votre boulot ? Je l'adore. Vous savez, tout le monde voit la maintenance comme le bas de l'échelle parce qu'on répare des tuyaux au lieu de rédiger des mémos. Mais pour être honnête, ce sont les gens les plus courageux de ce foutu bâtiment. Hein ? Bah moi, je suis fier de bosser avec eux. J'ai déjà travaillé avec ce genre de personnes. Ils disent exactement ce qu'ils pensent. J'aime bien ça. Qu'est-ce que vous savez sur le HIS ? Uniquement ce que j'en ai vu. Il utilise les mêmes stratégies que Marshall et Salvador nous ont apprises. Ce qui me laisse penser que le HIS n'a pas totalement éradiqué ses victimes. Ce qui est peut-être encore plus terrible. Ou bien il utilise ce qu'il trouve dans la tête de ses victimes. En tout cas, il a l'air bien déterminé à entrer dans la centrale. Et pourquoi ça ? Merde, je sais pas quoi. Pour me compliquer la vie, peut-être ? Ouais, ça c'est vrai. Bon, c'est quoi au juste, cette centrale ? Je sais juste ce que m'a dit Salvador. Mais elle alimente tout le bureau en électricité et elle possède deux règles très simples. La première, ne pas dépasser une certaine température. La seconde, ne jamais, jamais l'ouvrir. Ah, et la troisième, c'est confidentiel, donc je dois pas demander. On dirait que les secrets font partie des procédures d'opération standard ici. Ça ouais, ça fait partie du travail. Qu'est-ce que vous savez sur l'arme de service ? Pas grand-chose, elle est réservée au directeur. Salvador m'a parlé de la fois où il a vu Trench s'en servir. On dirait que cette arme peut causer de sérieux dégâts. Par contre, je l'ai déjà vue en photo. Et elle ne ressemblait pas à celle que vous portez. Vous l'avez modifiée ou quoi ? C'est nouveau ? Nouveau dans le bon sens ? Étant donné les circonstances... Nouveau, ça me va très bien. Il a l'air un peu perdu, lui, quand même. Hein. Vous le connaissez, ce type ? Ce Hattie ? Bien sûr, c'est mon collègue de pause préféré. Il a des histoires de fous à raconter. Il en sait sans doute plus que n'importe qui d'autre, ici, si vous arrivez à piger ce qu'il dit. Vous savez d'où il vient ? De Suède, j'imagine ? Bah, il vient d'où il vient. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas savoir. Vous comprenez ? Ouais, d'accord, il sait pas. Faut que j'y aille. Ah, ok. Vous avez un verrouillage à lever. J'ai gagné un peu en même temps. Alors que c'est en stream, donc désolé si je répète direct. D'accord, t'inquiète, y'a pas de soucis. Par contre, je pense que les discours de ton jeu sont sûrement mieux en anglais parce que la trad français est un peu chelou. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Le souci, c'est que je comprends pas trop l'anglais. J'ai quelques bases, mais voilà, de là à faire un jeu en anglais, faut pas trop m'en demander non plus. Par contre,
les sous-titres sont en décalage avec les voix et tout, tu vois qu'il y a un décalage même quand ils parlent, la bouche et tout, il y a un sacré décalage. À la base, je me disais que je voulais enlever les sous-titres, mais avec les sous-titres. J'ai pas compris. Mais les sous-titres, à la base, je voulais les enlever, mais je me suis dit, s'il y a des gens qui peuvent pas avoir le son pour x, y raison, c'est toujours bien d'avoir les sous-titres. Bon, par contre, où c'est que je dois aller? Par là. Et... mais je tourne en rond là. Ok. Wow. C'est de nouveau. C'est des nouveaux. C'est plus des gardes. Waouh. Waouh. Ouais, dans tous les cas, c'est cool les sous-titres. Hein. Ouais, je me suis fait surprendre. C'est des nouveaux monstres. Je me suis fait surprendre. Directrice Faden. Ok. Faut que j'aille de l'autre côté. Par là. Voilà. Ok. Là, waouh, je sais pas ce qu'il m'a lancé, mais... D'accord, ok. Voilà. Là, il y a une porte. Je vais aller voir au fond parce que j'aime bien fouiller. Là, la porte, elle est verrouillée. J'ai pas l'accès. Donc, il faut que je prenne celle du milieu. Quoi qui m'a attaqué là? C'est lui encore là. Voilà. Et voilà, je le savais. Tarif là.
Ok. Ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon. Ah ouais, je peux pas y aller, je perds trop de vie. Comment je vais faire? Non, ça marche pas. Ok. Toujours pas. Y aller là. J'arrive de là. Donc je dois aller par là. Mais le souci c'est que je ne peux pas. Trop de vie à chaque fois. Hein. Par demi-tour. Il faut tenir encore un peu. Là-bas, il y avait rien. J'étais allé voir, normalement, il y avait rien. Voir par là. Là, il y a quoi? Voilà, je le savais. J'étais couru d'avance. Voilà. Je m'étonne que j'ai claqué la première fois. Comment ils sont puissants et en plus ils éclatent à chaque fois. Donc ouais, je me suis fait avoir de ouf. Hein. Et c'est pas fini. Voilà. C'est bon. Ils vont pas arriver à l'infini quand même. Par contre, il lâche là les soins. J'aimerais bien avancer quand même. Sauf que... Ouais. Saturé par le hiss, ok. C'est pas une meilleure idée. Bon. Voilà, c'est bon, il n'y a plus personne. On va pouvoir prendre la porte. Ok, par là. Et là, il va y avoir du monde aussi, hein. Et
perd vraiment beaucoup trop de vie. Et là, il va me saouler. Voilà. Ok. Point de contrôle. Pas mal.